Allez, c'est parti, du coup, face-off gagné par Gap, on va directement envoyer le palais au fond de zone. Ouais, direct, mise en échec, on va montrer la présence physique. Le palais pour Correa, top scorer côté Gap, avec un peu plus d'une trentaine de points cette saison. Allez, c'est parti, côté anglais, du coup, cette fois-ci, première projection. On va perdre le palais avec une contre-attaque côté Gap. On va essayer de se projeter directement vers la cage. Le premier lancé, ça sera dévié. Et on aura touché le filet. Ça sera un face-off. On était déjà en place côté anglais. C'était un peu rendre le palais anglais. C'est dommage de pas en avoir profité. Voilà, ça bataille dans le coin du coup. Avec Roat. Roat qui va chercher la défense. Oh, c'est but! Magnifique action! Roat qui va chercher la défense et qui va aller toucher après derrière. Cet attaquant pour la déviation, c'est vraiment une passe pour déviation qui a été cherchée directement pour Loris Chauvin. Magnifique. Magnifique, effectivement, Saint-Cyr, il était sorti de sa cage parce qu'il s'attendait à un lancer. C'est dommage de laisser ce joueur sortir premier du coin côté anglais, c'est pas normal de ne pas le couvrir. On va revoir du coup Dylan qui sort de sa cage parce qu'il s'attend à envoyer le défense qui appelle. Et là, hop! Et oui, mais il est premier en sortant de ce... C'est ça, c'est ce qui réfléchit trop. Est-ce que des fois il faut pas réfléchir, faut tenter sa chance. Saint-Cyr qui a essayé de dégager, ça sera touché par un joueur de Gap. Du coup, Gap qui va s'installer dans cette zone. On appelle le palais dans le slot, hein. On voit backdoor, il y a de la place. Et on prend le lancer, c'est dévié. Ouais. Tom de Coq qui était sur bloc, attention. Et le but, et oui. Énorme but, il va chercher la lucarne droite. Et oui. Du mal à voir qui c'est qui a scoré là-dessus. Mais en tout cas, sans dire trop de bêtises, je crois que c'est l'anglais qui a la passe. Ah mais c'est Ouais, il se retourne. C'est Gutiérrez, hein. Gutiérrez. Il se retourne, il a le temps de se placer et d'envoyer en pleine lucarne. Très bien joué, très très bien joué. Il a récupéré. Il s'est créé de l'espace, il s'est créé du temps, la passe est bonne. Ouais. Et puis là, il est très très bien placé, se lancer aussi. On a l'impression que le jeu s'est un peu ouvert, on va dire. Forcément, il y a 2-0, l'autre équipe va faire chercher les points, elle va être obligée de s'exposer un peu plus. Attention, là, il faut aller chercher le posé, oui. Magnifique passe de Bouvet en direction de Getson qui va réussir à frapper ce palais et à tirer entre les jambes de Perronen. Et là, je suis étonné parce que là, c'est Getson qui est tout seul. Ah là, il y avait un... Il n'y a personne. Ah, c'est... Là, par contre, c'est invraisemblable de voir Ouais, Gap qui a vraiment oublié Getson dans l'enclave. Ils ont oublié le reste de la classe, tout simplement. Ils sont tous au niveau du cercle. Les 5 joueurs, Getson à l'opposé, qui va réussir à tirer entre les jambes de ce gardien. Comme on l'a dit tout à l'heure, un grand gardien. Donc... Oh non, Bouvet. Quelle passe magnifique. J'étais prêt à râler. Je vais pas t'en dire. J'étais prêt à râler sur le fait qu'il fallait prendre sa chance. Mais il a fait une passe magnifique et c'est vrai que Bouvet, malheureusement. Ah, la déviation. Oh oui, c'est pas fini. Oui, le but. Et finalement, ça sera récompensé toutes ces actions de Kazarin. Oh là là. Quelle action de jeu là depuis une minute là, même pas. Ah, c'était incroyable. Après, tir de la défense qui est dévié du coup. Perronen ne peut pas se saisir du palais. Puis après, avec un gros rebond. Et Kazarin qui se retrouve tout seul devant la cage. Mais là où je te rejoins juste avant, c'est que Kazarin, on s'attend pas à ce qu'il fasse la passe. Là, là l'intelligence du joueur qui trouve Bouvet et qui a la cage ouverte. Bon, malheureusement, il tire à côté. Parti l'autre côté. Ah, du coup, c'est à mettre au crédit de l'oiseau tout ça. Ouais, bon repli défensif. Ah, c'était très bien joué. Hein. Et je pense que s'il mettait pas la crosse, ça partait dans les filets. Ah, c'est sûr et certain. Toi, t'aurais pas loupé l'occasion. Hein. Ouf, attention. Moi, on me connaît, on sait très bien que je la mettrais souvent au-dessus de la cage aussi. Hein. Je sais pourquoi je dis ça. Oh, le but. Superbe. C'est une déviation sur le lancer de Thiessen. Et je me c'est très surprenant. C'est pas des lauriers d'ailleurs. Et là, on voit du coup Thomas Decoq qui remonte à Thiessen. Thiessen qui envoie ce palais. Ouais, c'est bien. Des lauriers. Ouais, et oui, des lauriers du coup qui vient dévier ce palais. Très très bien joué. Il se rattrape sur l'action d'avant. Effectivement. Ah, ça va lui mettre du baume au cœur parce qu'il s'en voulait. Ouais. Et sur la cadence côté anglais. Et attention parce que du coup on va quand même prendre un certain se lancer. Ah, ça touchera pas la cage. On essaie de reglisser à la cage, ça ne marchera pas. Anglette hein, qui se trouve déjà plus facilement que tout à l'heure. Ah oui, mais après, comme je te dis, hein, ils vont ouvrir le jeu, gars, parce que l'objectif c'est quand même la victoire. Ils vont aller chercher la victoire. Oh, attention. Encore une fois. Oui, chercher la lucarne opposée après se lancer.
Dune, Sam Dune. Sam Dune qui vient de chercher la lucarne opposée. C'est une belle bêtise. Aaron Sarmina qui prend le premier lancer. Ouais, ouais, il passe. Qui est dévié devant la cage. Et Sam Dune qui va prendre la lucarne opposée. Ah ouais, ouais. Oh là 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 là. Alors il y a un peu de chance parce qu'il reçoit le au face-off là. Certainement qu'il va se poser devant la cage. Allez, une minute à tenir. Ah, face-off gagné par Anglet. Fort. C'est allez, dommage ça, côté gap. Il faut les gagner ces face-off. Allez, hein. faut aider à sortir. Et non, allez, et là on est en train attention. D'attendre la zone net pour rien. Ouf, gros shoot. Touchera pas la cage malheureusement. Oui, c'est ça. C'est bien joué ça par contre. C'est très très bien joué. Arosa Mena qui a très très bien travaillé. Allez. Et là faut changer côté Anglet. Faut changer. Ça y est, ça c'est dommage. A changé. On n'a pas pris le temps ouais, de. Pas assez. Pas tous. Ouais, ouais, ouais. Attention, pas de faute ça, par contre. C'est très bien joué ça. Par contre, faut pas faire de faute. Ah, après là, il a juste bousculé, hein. C'est, le, ouais. c'est logique. Ouais. Attention, backdoor, on le voit ouais, tout seul. Il est tout seul là, ouais, faut fermer, faut monter dessus, ça va shooter. Ouais, 30 secondes à faire. Ouais. Et oui, ça va shooter. Ah, c'est bien cher. Non, la passe est un. Mal ouais, contrôlé. Arosa Mena qui a bien. Oui. Et c'est. Ah, 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 ah. Et c'est le but. Puffer. De Germain. Non, c'est Germain. C'est Germain. C'est Germain. Ah, c'est Germain. Bien joué. Est-ce que ce serait pas son premier à la barre? Oui, à la barre, tout à fait. Ça serait son premier but, effectivement. Premier but là, de Germain à la barre. Germain, pour les anglo-saxons. Exactement. Le nouvel arrivé d'il y a quelques semaines, c'est un ça. Petit mois. Ouais, ouais, fin décembre, début janvier, il est arrivé, oui, voilà. Effectivement. Nick Germain, comme on l'appelle ici. Nick Germain. Et ça fait 5-2. Bon, ben le match est plié, qu'est-ce que c'est bon. C'est match terminé, du coup, certainement là-dessus. Et là, attention, quelques secondes. Ouais, c'est fini. Ouais, c'est on vrai. Aura quand même eu droit à un match intéressant, JR, je sais pas trop ce que t'en penses. Oui, oui, oui. Oui. Bon, bah, c'est dommage pour Gap. Oui. Ils ont montré quand même certaines choses intéressantes. Je crois que le troisième tiers, ça a été compliqué pour Gap, oui. Malheureusement. Troisième tiers compliqué. On a eu du mal à rentrer dans le match côté Anglet, première période. Le Gap en a profité, ouais. Avec pas mal de réalisme. Mais bon, après, il y a des absences aussi importantes côté Gap. C'est dommage. Anglet a su se remobiliser justement pour aller chercher ses buts. Et puis c'est la bonne option, hein. Côté Anglet, c'est une très très bonne option. Tout à fait. On sait que beaucoup de choses vont se jouer pendant les play-downs hier. Même si accumuler des points, c'est très important maintenant quand même. Ouais, mais là, c'est Briançon, Gap et Anglet oui, qui seront en combat. Ouais, bien qui sûr. Combat hein. Tout à fait. Donc comme tu dis, chaque point est important. Pour rappel, hein, les play-downs va voir... les équipes qui sont en play-down, les quatre équipes vont se disputer des matchs aller-retour, mais en conservant les points du championnat. D'où l'importance de remporter des points quand même. Et d'essayer de mettre un écart avec son vis-à-vis. Dans ces derniers matchs, il est quand même très important de gagner des points pour se mettre en sécurité. Allez, Chad Langlais du côté de Gap. Ah, deux points. MVP. MVP. Deux points, un défenseur très solide. Qui a produit énormément de jeux. Ah oui, mais très appréciable à regarder. Qui est un défenseur très offensif, puisqu'il a, comme tu dis, il a des points. Et puis, il n'hésite pas à monter jusqu'en haut des cercles pour proposer des solutions. Et... Oui, et puis on aurait pu citer d'autres joueurs à un côté. Ah, clairement, oui. Bah, Gutiérrez, Correa, Vaitanen. Ouais. Il y en avait plein. Et puis, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Williams. Ouais, ouais, ouais. Leblanc William, qui a fait une belle partie aussi. Leblanc William, qui avait un maillot blanc d'ailleurs. Sans trop. Allez, Kisgetson. Deux ou trois points ce soir. Ouais. Très belle partie. Et puis des buts importants, ce sont... Oui. Il est sur les points des buts 1 et 2 qui sont là où on catch up et qu'on récupère le match côté Anglet. Il marque ce premier but d'ailleurs décisif, hein, je crois, qui donne la motivation derrière, enfin le petit truc qui fait que ça redonnait du peps, même s'ils avaient l'envie, ça remobilisait et méritait pleinement là de repartir. Exactement. Sur ce, messieurs, dames, on va vous laisser. Ouais. On vous dit rendez-vous à la patinoire de la barre. Le 28 janvier. Le 28 janvier, effectivement, pour Chamonix. Un match aussi encore important. À 19h au coup d'envoi. Qui va être très important pour Chamonix, qui est en train de se battre pour les playoffs. Oui. Si jamais. Et nous, toujours pareil, en train de se battre pour ne pas prendre des points play-down. Donc ça risque d'être intéressant. Mm.
On va vous laisser aux commentaires avec Mimo et Kéké si jamais Guillaume décide de revenir de Paris d'ici là. D'ici en avril. En avril, effectivement. Bon. Ça fait un plaisir, JR. Merci, Martin. Merci à toi. À bientôt. Et puis à la prochaine. Achat et comme on dit ce soir, c'est énorme. Merci de nous soutenir. Merci les partenaires.